Tennisman de la ville de Touba, 10 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux qui vont concerner une dizaine de quartiers de la ville sainte. Financement de l'État du Sénégal et de la Banque Ouest Africaine de Développement, Maman Moussa Niang. Un projet béni par le Khalife général des Mourides qui a reçu la délégation conduite par le ministre de l'Hydraulique. Pour lui, c'est une première pour cette cité qui avait tant besoin de ce projet. Ce projet polarise 8 quartiers de la ville de Touba. Touba Madiana, Touba Guédé, Guédé Bousso, Darhoudos, Kernyang, Makebari, Touba Mosquée et la Grande Mosquée. Touba bénéficie effectivement du programme de 10 villes. Le financement global est de 70 milliards. Et Touba, pour Touba, c'est 10 milliards 200 millions de francs CFA. C'est la réalisation de 2 stations de pompage et aussi une cinquantaine d'édicules publics qui seront réalisés à travers donc, non seulement la commune de Touba, mais aussi la commune de Mbaké. Financé par le gouvernement du Sénégal et la Banque Ouest Africaine de Développement, ce projet vient améliorer les conditions de vie et de santé des populations concernées. Ce programme constitue en réalité l'assainissement des eaux usées au niveau effectivement du département de Mbaké et plus particulièrement au niveau de Touba Mosquée. Au nom du Khalife Serigne Moumtakha Mbaké, nous remercions le président de la République pour ses gestes de haute portée. Nous nous en réjouissons beaucoup et avec nous tous les habitants de Touba. Président Macky Sall, nous nous remercions beaucoup. À terme, plus de 56 000 personnes auront accès à un assainissement adéquat. L'environnement de quartier sera amélioré. 52 km de réseau d'assainissement posé. Le démarrage est déjà effectif et ce travail va se poursuivre et va durer environ 18 mois et permettra ainsi à plus de 52 000 habitants d'avoir accès à l'assainissement des eaux usées. Le projet lancé sous la pluie vient apporter 3 nouvelles stations de pompage à Touba. Une station d'épuration, plus de 5 000 branchements domiciliaires.